Puis bien entendu, si on ne connaît pas l'étiologie, un insuffisance cardiaque devrait avoir une étiquette. Comme je vous disais, c'est un syndrome. Donc, je dis insuffisance cardiaque sur base de, on devrait avoir un diagnostic. Hypertension, valvulopathie, arythmie. Si on ne sait pas pourquoi, c'est important de chercher parce qu'il y a des causes qui sont réversibles. Pas souvent, je vous le dis, c'est à peu près un patient sur 7 qui a une cause réversible. Bien entendu, les patients devraient être orientés. Les patients qui sont intolérants au traitement médicamenteux recommandé, si on n'est pas capable de donner un bêta-bloqueur, on devrait l'envoyer pour voir réévaluer tout ça. Je vous rappelle qu'un des plus grands mauvais services qu'on peut rendre à un insuffisant cardiaque, c'est lui donner un bêta-bloqueur dans le mauvais temps. Le patient qui a des édèmes, un petit peu de râle, on lui donne des bêta-bloqueurs, il vous rappelle que ça ne file pas, on l'arrête. Puis c'est normal, autrement dit, que le patient n'aille pas bien pendant ce temps-là, c'est normal, on le savait. Mais ce patient-là, pensez-vous qu'il va accepter d'en reprendre des bêta-bloqueurs? Jamais, il va dire, écoute, docteur, ça ne marche pas, ça me rend malade, ce pilule-là. Ce patient-là, habituellement, 90% du temps, il va refuser de reprendre des bêta-bloqueurs. Pourtant, c'est important. Autrement dit, ce qu'il faut après ça, c'est de le suivre de près. Puis au besoin, c'est à ça que la clinique peut servir. Si vous avez dit, j'ai essayé, ça n'a pas marché, on peut nous le voir, puis commencer les bêta-bloqueurs, ça va bien. Et pas peur, on va vous le retourner, ce patient-là. Ça nous fera plaisir de vous le retourner. Puis au besoin, comme je vous disais, c'est un principe de communication des deux côtés. C'est extrêmement important. Mauvais respect du traitement, je ne suis pas convaincu qu'on va faire mieux, comme je dis souvent, la carotte, le fouet. On essaie de les stimuler, nous autres aussi, mais ce n'est pas nécessairement facile. Membre de la famille pour les antécédents familiaux, ça c'est très important. Je vous rappelle qu'il y a de la jurisprudence au Québec. Il y a une recommandation du coroner. Si vous avez un de vos patients qui a une cardiopathie familiale, vous avez une obligation comme médecin de faire un screening familial. Pas une suggestion, une obligation. Je vous rappelle que l'obligation, ça ne veut pas dire de courir après les enfants. L'obligation, ça veut dire vous donner à la personne que vous voyez un petit mot qui dit screening familial, mettons cardiopathie hypertrophique, cardiopathie dilatée. Vous n'êtes pas obligé de courir après les enfants, vous n'êtes pas obligé de savoir s'ils l'ont eu, vous avez une obligation de renseigner. Fait que, mais je vous rappelle, courez pas après le monde, parce que ça vous a fait interdit. Mais c'est important, pourquoi? C'est toujours la même chose. On a eu ici, à peu près 6 ou 7 ans, un jeune homme de 21 ans qui est décédé subitement. Puis à peu près un an après, son frère est décédé. Puis c'est ça qui a amené la jurisprudence. On avait détecté cette famille-là avant. On aurait peut-être sauvé la vie de quelqu'un. Donc, un message important. Si vous avez, comme médecin, quelqu'un atteint de cardiopathie, puis je vous rappelle, bon, ce n'est pas de mes affaires, le spécialiste va le faire, tous les médecins qui voient le patient en sont responsables. Donc, c'est important, rappelez-vous, juste leur dire, c'est important pour le screening familial. Programme de prise en charge des cliniques spécialisées, on en a maintenant, on en a ici, on en a à Magog, on en a à Asbestos, on en a à Coaticook, puis on en a à Lac-Mégantic. Bref, le réseau de cliniques commence à s'établir. Extrêmement important. Pourquoi? Parce que tout seul, on n'est pas capable de le faire. Comme je vous le disais tantôt, moi, revoir un patient 2 à 4 semaines post-hospitalisation, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Ça me prend quelqu'un pour m'aider. Modèle de soins optimal, circonstances locales, des ressources sur place, bien entendu. Ça va dépendre. Le modèle, il n'y en a pas de modèle pour tout le monde. C'est à vous, dans votre localité, de dire comment on va faire ça. C'est-tu moi, c'est-tu tout le groupe? On fait tout ça le mercredi, le mardi. Tout ce qu'il faut, c'est d'établir les priorités pour notre clinique. Le rythme de suivi. Il faut les voir rapidement lorsqu'ils décompensent. Ce que l'on dit, c'est qu'un insuffisance cardiaque devrait être revu à peu près 2 à 4 fois par année selon sa stabilité. Donc, c'est un patient qu'il faut qu'il soit revu assez souvent pour détecter. Mais ce que je vous dirais, toujours la même chose, quand votre patient va bien, de le voir, ça ne donne pas grand-chose. On est mieux de ne pas le voir quand il va bien, mais d'être plus là quand il nous appelle et ça ne va pas bien. Donc, c'est un principe de soins qui est à la demande. C'est plus difficile à gérer, mais c'est extrêmement important. C'est là qu'il y a besoin de nous autres. Sinon, on va le ramasser à l'hôpital. L'effet des interventions multidisciplinaires. Donc, est-ce que c'est prouvé efficace, les cliniques d'insuffisance cardiaque? La réponse, c'est oui. Vous l'avez ici. Ça, c'est votre traitement avec la clinique. Ça, c'est votre traitement contrôle. Ces patients-là étaient déjà sous une unité dans une incubation, déjà sous bêta-bloqueur, mais envoyés dans leur localité, versus un suivi systématique. Vous voyez qu'il y a une diminution de mortalité. J'invite quand même à regarder. Ici, on parle de jours. Probabilité de non-réadmission. À 90 jours, regardez le taux de réadmission. On est pourri, là. Je vous rappelle, on a de la difficulté à les garder hors de l'hôpital. On part au jour 0, puis au jour 90, hein, même dans votre bonne intervention, vous êtes à peu près 70 à 30 de réhospitalisation. C'est difficile à faire. Mais vous voyez, c'est efficace. Exprimé ici, ça donne une réduction d'hospitalisation de 56. On ne parle pas de mortalité, on parle de ne pas revenir à l'hôpital. Puis je vous rappelle, qu'est-ce qui est troublant de ce côté-là? C'est quoi ça, à 90 jours? C'est des diurétiques la plupart du temps. C'est d'augmenter la dose de diurétique. Donc,
assuré de la limite liquidienne sodique, c'est rarement de l'ajustement de la comédication. C'est vraiment une thérapie diurétique, soit par les veines, soit par la bouche. Fait que bien comprendre, ça a l'air lourd, mais essentiellement, c'est de surveiller la volémie pour empêcher qu'ils reviennent avec de l'eau jusqu'aux oreilles. Excuse-moi, je referai plus ça. Donc, encore une fois, la méta-analyse, la prise en charge multidisciplinaire, ça prend une méta-analyse. Là, il y a un effet sur la mortalité, mais je ne pense pas qu'on parle de mortalité lorsqu'on les suit systématiquement. Ce qu'on parle surtout, c'est l'hospitalisation. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça évite aussi l'hospitalisation toute cause. Prenez comme principe que si vous les voyez rapidement pour une pneumonie, puis vous les traitez, ils vont moins venir. Fait que les suivre régulièrement, ça évite aussi la comorbidité, mais bien entendu, surtout l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Bien entendu, on a aussi un algorithme de traitement. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas beaucoup parler de ça. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, l'algorithme, il est bien connu. Je vous rappelle, on l'a déjà dit, la pierre angulaire du patient symptomatique d'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection abaissée, c'est facile, c'est deux pilules, c'est un inhibiteur de l'enzyme de conversion et un bêta-bloqueur. Donc, je vous rappelle que vous avez du travail à faire avant, donc ce n'est pas juste des médicaments, c'est aussi du counseling, de l'ajustement thérapeutique. Puis je vous rappelle malheureusement aussi, puis ça va être Simon qui va nous parler de ça, que ça ne marche pas chez tout le monde. Donc, le taux de pénétrance ou d'acceptance des ACE inhibiteurs, je parlais de 90, ça peut descendre jusqu'à 80 %. Le taux d'intolérance au bêta-bloqueur, c'est à peu près 20 à 30 %. Ce n'est pas vrai, autrement dit. C'est bien beau dire, tout le monde devrait, mais on ne peut pas chez tout le monde. Donc, bien comprendre qu'il y a aussi de l'échec dans ce traitement-là. Puis c'est pour ça qu'il faut avoir des recettes alternatives. Je vous parle ici d'ARA, puis je vous parle également de la combinaison hydralazine-nitrate. Bref, ça prend des voies alternatives si on n'est pas capable. Puis on doit titrer pour atteindre des doses cibles. Ça aussi, c'est important. Autrement dit, les doses prouvées efficaces, on vient d'avoir les données d'une étude avec les ARA qui vous démontrent qu'entre le COSAR 50 et 150, si vous poussez le COSAR, c'est bénéfique. On l'a, cette dose-là. En hypertension, on ne l'a pas. En maladie coronarienne, on ne l'a pas vraiment. Mais on l'a en insuffisance cardiaque. Ça prend des fortes doses. Bien entendu, je vous rappelle, forte dose veut dire plus d'effets secondaires, plus d'intolérance. Fait qu'il faut pousser, mais pousser égal. Si votre patient n'est pas capable, vous titrez à la baisse. Puis bien entendu, des fois, ça va bien, puis quand ça ne va pas bien, vous pouvez ajouter des médicaments. Mais à partir de là, un patient qui demeure en classe 3, qui ne tolère pas les médicaments, c'est ce patient-là qui devrait être adressé. Pourquoi? Parce que là, on parle d'ajouter un ARA. Si vous faites une combinaison ACE-ARA, il y a beaucoup d'interactions rénales. Ça devrait être suivi par une clinique spécialisée. Si vous voulez une idée, nous, notre combinaison ACE-ARA pour la clinique d'insuffisance cardiaque, c'est à peu près 15 %. Fait que donc, ce n'est pas tout le monde à qui on donne ça. Donc, ici, c'est important. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que le classe 3, ça va déjà moins bien. La classe 3, ça annonce la classe 4 et la fin de la vie. Donc, on va pouvoir s'adresser à ça. Puis, je vous proposerais qu'on ne fait pas un très bon travail. Puis, bien entendu, ce qu'il faudrait regarder aussi, c'est les autres questions ici. Mon patient va bien, il n'est pas à l'hôpital, il travaille, ça va bien. Mais on devrait l'évaluer aussi pour le défibrillateur implantable, parce que sinon, on peut le ramasser dans le journal. Puis, il devrait être évalué aussi sur la largeur de son QRS. Donc, même s'il est en haut de ça, si le QRS est large, en haut de 120 millisecondes, en particulier avec un patron de bloc de branche gauche, c'est le patient. Pour le resynchronisateur, qu'est-ce que ça fait? Ça améliore la classe fonctionnelle. Déjà pas si mal. Ça améliore la tolérance à l'effort au corridor. Pas si mal. Ça diminue l'hospitalisation de 30 %. Intéressant. Ça diminue la mortalité également de 30 %. Ça, c'est à peu près 20 000. Ça, c'est à peu près 12 000. Bref. C'est des coûts importants. Ça veut dire qu'il faut adresser non seulement l'indication, mais l'espérance de vie de notre patient et sa volonté de continuer à lutter contre cette maladie-là extrêmement importante. Ce n'est pas quelque chose qu'on devrait pousser dans la bouche. Dans ma tête, ce n'est pas une décision d'hôpital. Ce n'est pas quand le patient est vulnérable qu'il faut lui parler de ça. C'est vraiment quand le patient est ambulatoire et qu'il va bien. C'est là qu'il faut avoir cette discussion-là. Avec vous, au besoin, avec nous, sans problème. Donc, les principes de traitement pour les ACE, bon, c'est clair, les bêta-bloqueurs également, puis on ne verra pas les études de ce côté-là. Les preuves sont claires. Je vous ai donné aussi les doses à viser, donc les agents qui sont recommandés, puis également les doses à viser. On commence, je vous rappelle, à petite dose, extrêmement important. Vous l'avez dans votre cahier, c'est difficile à lire. Illisible, ça. On ne voit pas. Je vais vous les envoyer. Je vais vous les envoyer. Tiens, gardez bien ça. On va faire une annonce tout de suite. Je vais vous les envoyer à une condition. Je vous les envoie si vous vous inscrivez comme membre de la Société québécoise d'insuffisance cardiaque.
ce membership-là, il est tout à fait gratuit. Ce qu'on aimerait avoir, c'est votre adresse courriel. Pourquoi on voudrait vous mettre au courant des activités de la société. Il n'y a pas juste aujourd'hui. Il y a aussi, je vous rappelle, le congrès de septembre. Mais si vous nous donnez votre adresse courriel, je vous envoie avec plaisir le tableau plus gros. Donc, en cas d'intolérance, je vous rappelle, puis il y en a beaucoup, là, baisse de pression, le rythme cardiaque qui abaisse, le dysfonctionnement rénal. On sait que c'est difficile et c'est d'ailleurs pour ça. L'avez-vous vu arriver, le docteur Bérubé? Là? Il est-tu arrivé? Oui? Sinon, vous m'oubliez ça, c'est pas bien difficile. Mais docteur Bérubé, c'est ce qu'on lui a demandé. Ce qu'on lui a demandé, c'est de faire le troubleshooting. Quand ça va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est de ça qu'il va vous parler. Bon, bien entendu, il y a des patients qui ont des contre-indications. Je vous rappelle qu'il y a des contre-indications absolues, mais des contre-indications relatives. Il faut revoir tout ça avec le patient et donner le bon traitement. Pharmacologie combinée, c'est, autrement dit, c'est une thérapie associative. En hypertension, on disait toujours une pilule, on commence à dire deux pilules. En insuffisance cardiaque, c'est au minimum deux pilules. Je vous rappelle que ça, c'est sans compter les diurétiques. Le diurétique, est-il obligatoire en insuffisance cardiaque? Il n'est pas obligatoire. À vrai dire, même si vous en avez eu pour une surcharge, si votre patient évolue bien, qu'il respecte sa limite de liquide, on pourrait même tenter de le diminuer puis de le sevrer. Si votre patient va bien, pourquoi on comprimait son volume? Je vous rappelle, par exemple, qu'il y a un risque à cesser le diurétique. C'est qu'il revient dans l'insuffisance cardiaque. Mais ce n'est pas un traitement qui est obligatoire. Il faut juste faire attention, par exemple. Donc, comme je vous disais, la pierre angulaire, on l'avait déjà vue. Pourquoi? Bien, les inhibiteurs d'enzymes de conversion, j'ai déjà montré ces slides-là, c'est prouvé efficace. Un des points très importants, quand on donne un inhibiteur d'enzyme de conversion, vous les voyez ici, là, c'est bien meilleur. La mortalité diminue. Je vous invite à regarder la courbe sous traitement. La courbe sous traitement, c'est celle-là. Là. Donc, sous inhibiteur d'enzyme de conversion, le patient, il meurt quand même. Le gain de survie sous ACE inhibiteur, comment on gagne d'années de vie avec un ACE? 4 à 6 mois. On n'a pas fini notre travail. Donc, oui, c'est important. C'est super important. Mais ce que l'on gagne en termes de survie moyenne, c'est 6 mois. Ce n'est pas fini. Donc, après le ACE inhibitor, ça prend d'autres choses. Ce que ça prend, c'est les bêta-bloqueurs. Chez les hospitalisations, je vous les passe vite, mais essentiellement, là, les ACE, vous le savez, c'est bon. Ça diminue bien des choses, mais je vous rappelle, c'est imparfait. C'est imparfait, mais je vous rappelle qu'on a maintenant des données à long terme, parce que des fois, on dit, bon, mais les études, c'est 3 ans, 4 ans, 3 ans, 4 ans, c'est pas très, très long. Mais là, maintenant, on a des études, regardez, là, les X-Solve, les AirX, puis le Hope2, regardez la durée de ces études-là. Donc, on a continué à suivre ces patients-là pour le bénéfice, et il y a des bénéfices continus. Donc, c'est vraiment un traitement qui devrait être là au long terme. Bon, vous laissez passer ceux-là. L'utilisation des ACE et d'ARA, bien entendu, vérifier la tension artérielle, éviter l'hypotension. Je vous rappelle que ce n'est pas une contre-indication à les donner. Si la pression est à 90 et que votre patient va bien, on peut donner un inhibiteur d'enzyme de conversion. Pourquoi? Grand principe, il y a deux types de médicaments. Il y a les anti-hypertenseurs et les hypotenseurs. Ça ressemble pas mal, ça, mais bien comprendre. Un antihypertenseur, ça fait baisser la pression quand elle est haute, puis moins quand elle est normale. Un hypotenseur, ça prend la pression n'importe où, puis ça la fait baisser. Elle était à 150, elle descend à 100. Elle est à 100, on la descend à 50. Elle est à 50, on la descend à 0. Ça, c'est un hypotenseur. Un ACE inhibiteur, ça appartient à la catégorie des antihypertenseurs. Donc, ça a moins d'effet incisif lorsque la pression est basse. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de trouble. Mais on peut tenter de donner un inhibiteur d'enzyme de conversion, même si la pression est très basse, c'est la tolérance. De sorte qu'on ne devrait pas suivre l'effet sur la pression, on devrait suivre les effets secondaires. Je donne un ACE inhibiteur, mon patient va bien, même si la pression est basse, ça ne me dérange pas. Je donne le ACE, le patient est tout étourdi, ça me dérange, le patient ne le tolère pas bien. Fait que c'est surtout la tolérance, ce n'est pas la pression. La pression est à 80, le rein ne bouge pas, je m'en fous. Puis bien entendu, un des principes, c'est que si mon patient ne va pas bien, peut-être qu'il faudrait réduire la dose de diurétique, ça vous le saviez déjà. Un patient déshydraté, pourquoi nos patients âgés ne tolèrent pas bien les ACE inhibiteurs? Parce qu'ils sont considérés comme secs. Les diurétiques, ça lutte contre l'effet de vos ACE. Si le patient ne tolère pas bien le ACE, la première étape, c'est de baisser le diurétique. Bien entendu, pas si les jugulaires sont jusque-là. Mais si le patient va bien, diminuer de 50 % votre diurétique. Va être plus de volume, le patient va mieux tolérer votre inhibiteur de l'enzyme de conversion.